Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui avec Big Snow. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que moi j'ai pas été sur une vidéo YouTube. Ça c'est vrai, donc Big, rassure tout le monde que tu vas bien parce que... Je vais toujours bien et voilà. Je suis quand même là souvent pendant tes lives, enfin je participe dans le chat quoi. Et puis j'étais là quand même quand on a fait tes abonnés ont du talent. Voilà, exactement. En fait, elle est en train de vous dire de ne pas hésiter de me suivre en live. Oui, exactement. Sur la chaîne Twitch. Mkolo off. Oh. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo à la cool. Je suis en train de manger un Snickers. Moi aussi, il est là. Sauf qu'après, j'avais parti dans les dents. Voilà. Sur American Truck Simulator, puisque vous le savez, les amis, que j'ai découvert... Non, je pense, hein. Que t'as découvert American Truck il n'y a pas longtemps. Exactement. Voilà, ils tu appellent ça dire. Vraiment carte du monde. Bon, tu vas pas faire la rageuse. Elle fait la rageuse parce que... C'est quoi que tu m'as dit avant qu'on commence? Ils auraient dû appeler... Bah, j'avais dit pourquoi ils appellent ça American Truck Simulator et pas West Coast Simulator, voilà. Bah vas-y, Los Angeles, direct. Ok, tu veux démarrer de Los Angeles. Et ouais. Dis-moi maintenant jusqu'où tu veux aller. Bah franchement, n'importe. Hein. On fait ça? Mm-hmm. Allez. C'est vraiment sexy quand tu manges comme ça. Merci. Viens, on se galoche. Non. Et du coup, c'est pas la première fois que je roule avec le G27. Il m'avait fait essayer sur Euro Truck et sur GTA. Ouais. Et dans l'ensemble, ça va, je me débrouillais plutôt pas mal. Bah, comme dans la vraie vie, en fait, je suis une expert pilote, quoi. C'est beau, hein? Ouais. C'est plus détaillé déjà que sur Euro Truck. C'est fou. Oh, mais regarde! Tu commences directement là. Oh, tu vas reconnaître. C'est stylé, ouais. Le parking. Ouais. Ça fait penser à GTA. Eh oui. Puisque je regarde à gauche. La grande roue. Mm. C'est comment les clignots de nouveau, c'est ça? Non, c'est pas ça. À gauche. Comment on fait? C'est les gauches. Attendez. Comment on change la vue? Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est pour tourner. Et ça, c'est pour là. Ok. C'est ça. Et bouton tout en bas à gauche, c'est pour le régulateur par contre. Ok. Putain, j'ai du mal à savoir la largeur que je prends sur la route. Hein. Ouais. Normalement, t'es très bien. Du coup, là, on est en kilomètre heure ou en miles? Miles. Du coup, tu vois, c'est limité à 30 miles par heure. Et là, voilà, t'es à 29. Ça, je vois. Et on le voit bien, là, sur ce camion-là. Tu peux peut-être allumer les lumières de jour. Ah, ouais. Regarde, les lampadaires, c'est les mêmes que sur GTA, t'as vu? Ouais, c'est vrai. Sauf que si tu rentres dedans, le lampadaire, il se casse pas. C'est ton camion qui se casse. Ah, même sur GTA, ces lampadaires-là, tu peux pas les casser? C'est possible. Attends, je comprends. Ah bah oui, j'ai le feu rouge. Ah, tu recules, là. Hein. T'as calé. Ah, j'ai calé. Elle est pas passée la vitesse, je comprends rien. Si, t'étais bien en première, je crois. Attends, je vais mettre la neutre. Frérot, il a du mal, hein, le camion. Hein. N'aie pas peur de mettre à fond. Voilà. Oh yes. Bah maintenant le feu il est rouge de nouveau. Non. C'est moi qui passe d'abord. Mais frérot, la priorité! Pardon, j'ai un peu du mal à enchaîner les vitesses. Je pense pas forcément à le faire. C'est bon, là, on est lancé. Regarde, non, mais Bobby, regarde, tu reconnais. Ouais, de ouf. Là, par contre, c'est vrai. Ça me fascine. Mm. Il manque juste le chemin qui monte à gauche, tu sais, mais. Enfin, pour faire comme sur GTA, bien sûr. Mais ouais. Posted. American Dream. Oh merde. Il faut regarder les rétros, hein. Oh, et puis t'as mis qui va t'en prendre. Oh, y'a le pont aussi. Merde. Oh là, mauvaise vitesse. Ils ont fait le pont. Ah mais attends, on est à limité à 45 miles. Ouais, ça va, t'es à 5 miles par heure au-dessus. Je ne sais pas combien ça équivaut. Et t'as vu les rétros, on les voit même pas là. Ouais. Alors que sur les camions français, je comprends pas. Il faut vraiment que tu fasses l'effort de regarder à gauche à chaque fois. C'est... ouais. Les Américains, ils sont un peu...
Oula. Ouais, c'est, en fait, c'est plus dangereux de regarder les rétros. Ouais. Hein. On va un peu ralentir là parce que. Là, je sens qu'il a un peu du mal le camion. Ouais, t'aurais dû garder ta vitesse. En fait, plus tu rétrogrades et plus il va avoir du mal du coup parce qu'il est au taquet, tu sais. Là du coup t'es en première, c'est débile. Bah ouais, mais il arrivait pas. Alors manger en conduisant c'est dangereux. Pas beaucoup. Si. Mm-mm. Si. Non. Non, tu dis pas ça en rigolant. Je... Ah oui, tu dis ça en rigolant. Bah oui. C'est pas dommage. Très crampe, tu vois. Ah ouais. C'est pour les trucs qui peuvent s'emballer, je pense. Ah non, c'était pour prendre la sortie, tout simplement. Hop là. Accident, comment ça? Mais tu l'as pas vu, le rétroviseur. J'ai pas vu, j'ai pas regardé. C'est pour ça que je rigolais. Fini de se traîner la nouille. Moi, j'active le V8, là. Ah, là, nickel. Mais ça, tu vois, ça c'est la preuve que manger en roulant, c'est dangereux. Non, c'est juste qu'en voyant, il est hyper goût. Moi, je suis habitué au volant sport. Ah oui, non, mais tu manges pas au volant. Enfin, tu fais pas ça, je veux dire. Mm-hmm. Voilà. Donne pas de mauvais exemple. Allez, hein. Puis le moment où je dis ne donne pas de mauvais exemple. Quoi? Oh, il y a une inspection de véhicule aux États-Unis. T'as vu? Oh, wow. Donc là, il va falloir que tu t'arrêtes là à droite, là. Ici? Au truc de police, ouais. Mais non. Mais c'est énorme! Pour être sûr que je transporte pas des trucs ouais. Illégaux. Mais non. Attends, ça aurait été stylé si tu refuses. Et ça serait passé quoi? Course poursuite avec les flics? En tout cas, on n'est pas pressé. Hein. Oh non, il va falloir s'arrêter. Non, t'es obligé de t'arrêter, je crois. S'il n'y a plus personne. En tout cas, cette vitesse là, nickel. J'ai une vitesse. Ah merde, j'ai passé la vitesse. Elle me démonte mon setup, les gars. Faites quelque chose. J'ai tout le truc de pédale qui s'est décalé. Ah merde. Ouais, on dirait je sais pas quoi. Oh, faut que tu... Oh merde, putain. C'est peut-être leur... Non, mais ce que tu voyais pas. Non. Pendant que je décalais, que je retirais tout du bureau. Ouais. Putain, la réserve de carburant. Ah. Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, le truc, c'est que moi, déjà, j'étais en galère parce que je freinais pour pas... Parce que j'étais en montée avec le camion. Du coup, je freinais pour pas reculer. Ce qui fait que... Du coup, j'ai la chaise qui reculait parce que la pédale de frein, elle est hyper dure. Du coup, je me tenais au volant et je tirais... D'accord. Pour pas reculer avec la chaise. C'est pour ça que... C'est détaché. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire comment vous trouvez qu'elle conduit. Moi, je pense qu'elle conduit merveilleusement bien. Comme une pilote. Comme une pilote. Et allez. Mais moi, je... Salut, salut. Ciao, ciao.